Hey, salut tout le monde, c'est Don Mico et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode. Il y a un hélicoptère qui passe en plein début de vidéo. Un grand merci à toi, t'as niqué mon intro. Et pour ne pas changer, on se retrouve sur GTA 5 pour l'épisode 3. Je disais des activités à faire sur GTA. Et regardez-moi ça, cette belle vue. Pour info, je suis sur les lettres d'Hollywood, de Vinewood. Donc voilà. Alors, au programme de cette petite vidéo, j'ai prévu du golf. Hein, du golf. Donc, on va se la donner. J'ai déjà essayé un petit peu hein, pour pas vous présenter de la merde. Bon, déjà ici, je vais tenter de bien descendre. Voilà, ça va. Parce que la première fois que j'ai essayé ça, je suis tombé, j'ai dû aller à l'hôpital, comme un gros guignol. Donc, j'ai prévu du golf. Et. Ah, bonjour, messieurs, dames. Bonne promenade. Hein. Et on va aller avec ma. Belle voiture, hein, je vous laisse admirer. Elle est vraiment super belle. Hein. Et elle est à la fourrière, j'étais vite à chercher avant pour vous la présenter. Je suis comme ça, moi. Alors, on va déjà mettre le golf, déjà sur la carte. Ça sera déjà une bonne chose de faite. Et on va se dépêcher à aller parce que ça ferme à 18h. Et il est. Attendez, je peux regarder. 17h29. Autant dire, ma vidéo, ça promet déjà que ça va déjà bien partir en cacahuète. Donc, on va se dépêcher. Et. Comme deuxième activité, j'ai prévu. Bah vraiment, c'est une petite activité, ça va aller vite fait. Des fléchettes, on va aller se faire un petit truc de fléchettes. Hein, vite fait, bien fait. Même si c'est vraiment pas facile du tout, parce que c'est quand même assez difficile. Mais bon, je vais essayer de gagner. Hein, ce sera déjà ça, je vais tenter. Et on terminera par une course de moto. Moto quad, je vous avais montré ça quand on avait fini la course nautique dans l'épisode 2. Et je vous avais montré sur la carte qu'il y avait aussi des courses de quad et de moto. Donc on en fera une pour voir ce que ça donne. Et bah ça aura déjà fait une bonne petite vidéo je pense. Hein. Parce que j'essaie de pas faire trop longtemps hein, pour pas que vous soyez comment lassés de regarder la vidéo. Parce que je peux comprendre que maximum une demi-heure. Hein. Mais bon moi j'essaie de faire des épisodes de 20 minutes. Et ouais je vous raconte ma vie. Je suis un comme ça moi. Regardez, vous pouvez quand même admirer mon pilotage, hein. Mon. Oh! Je suis passé au-dessus du. Je suis passé au-dessus d'une voiture. C'était joli ça. Oh là là. Et comme d'habitude, je crie comme un malade. C'est pour. Faut tourner ici. Merci. Donc, je saurais me contredire, on est bien d'accord. Je conduis super mal maintenant, depuis que j'ai dit que je conduisais bien. Et je pense qu'on va arriver en retard à cette activité. Et la vidéo va commencer bien alors. Hein. Alors au pire, on ira faire les deux autres en attendant. Que voulez-vous? Pas trop le choix. Hein. Un peu dommage parce que j'aimerais bien vous proposer ça dès le début. Alors, je vais me dépêcher, mais bon, c'est quand même loin. Hein. C'est encore à 1 km. Allez, 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 allez. Je me mets en mode. Piquet Schumacher. Oh, c'était joli ça. Là, là. Pas beaucoup parce que je suis en train de me dépêcher. Ouais, il fait déjà presque noir. À mon avis. Oh oui, il y a encore des gens devant. C'est-à-dire que je peux aller. C'est faut savoir que la première fois que je suis venu ici. Bon, je cor. Oh non, jure-le. Mais quelle heure? C'est quoi cette feinte? Je suis parti des panneaux là, Hollywood. Il était 17h45, il m'a fallu 1 heure, genre, pour jusqu'ici. Oh, jure-le! Bon, vous savez quoi? Il faut revenir à 6h du matin, on reviendra à 6h du matin. On va aller faire d'abord la. Parce que regardez, il faut aller là, aux fléchettes, et à la course de quad. Donc, on va aller à la course de quad. Hein? Désolé, mais vous allez devoir encore subir ma conduite. Pendant toute la vidéo. Bon ben c'était imprévu hein, que voulez-vous peut pas toujours tout peut pas toujours se passer comme on en a envie en vidéo. Ouais ce n'est rien hein, c'est pas la fin du monde. Je vous proposerai quand même pour vous parler un peu de ma vie. J'ai été regardé la première fois pour au golf pour l'essayer et il y avait un garde du corps juste devant. Il m'a mis un coup de matraque, un seul coup de matraque, parce que je me suis approché un peu trop près.
pour regarder l'heure, quoi, à quelle heure ça ouvrait. Il m'a mis un coup de matraque et il m'a tué d'un coup de matraque. Pas mal, hein. Que voulez-vous? C'est ainsi. Pour rien y faire. C'est GTA. Et donc, j'ai été essayé le lendemain. Et comment? C'est bien, mais c'est dur à prendre en main au début. Je m'explique. Au début, hein, j'ai galéré déjà pour trouver comment taper la balle déjà. C'est déjà un système assez spécial. Hein. Pour ceux qui ont joué déjà des jeux de golf sur PlayStation ou sur Xbox, sur Wii U, comme vous voulez. C'est pas le même, c'est assez spécial. Mais c'est bien fait, c'est réaliste, c'est vraiment bien. Quand on l'a pris en main, c'est vraiment chouette. Mais je connais même pas les règles du golf. C'est ça qui est encore plus marrant. Donc préparez-vous à avoir un gros noob, hein, que voulez-vous. Et donc voilà, on verra ce que ça va donner. Bah, j'ai vu qu'on a jusqu'à 10 cours. Je pense que ça s'appelle comme ça. Non, ça s'appelle pas comme ça, ça s'appelle pas des cours. On a 10 trous, donc 10 parcours en somme. Et je vais vous en proposer que 3, hein, parce que 10 de 1, ça va être chiant pour vous à regarder. Hein, parce que vous jouez pas, ça je peux comprendre. Mais de 2, ça va être long aussi. Ça va être vraiment être long, parce que pour 3 trous, il m'a fallu quand même 10 minutes, un quart d'heure. Hein, donc, c'est pour vous dire. Parce que c'est quand même pas des petits trous à faire, hein. Ils sont vraiment loin et tout, faut taper la balle plusieurs fois, donc voilà. J'arrête de parler de ça de ma vie. Maintenant on va se diriger vers vers là-bas, vers la course de moto. J'espère que ça va être bon, que je vais bien conduire. Et surtout, qu'ils ne vont pas me la fermer aussi, cette course. On peut la faire de nuit, alors là... Je suis bien parti dans cette vidéo et j'ai des superbes activités à proposer aussi pour l'épisode 4. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'en ai trouvé. Bon, je voulais vous proposer le tennis, hein. Je n'arrive plus à y jouer pour l'instant. C'était pas ici, pas ici. Je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé sur ma carte que j'ai reçue dans mon boîtier GTA et comment. Et là, ils sont affichés. Donc, j'étais exactement à un point où ce qu'il y a. Oh, c'était pas vraiment le chemin à prendre. Ça ici, non oh. Et j'étais voir. Et comme par hasard, il n'y a rien qui s'affiche. Je rentre dans le cours de tennis. Et il n'y a rien. Je peux rien faire. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben. Voilà. Je sais pas vous proposer de tennis pour le moment. C'est bien dommage parce que c'était une belle activité. Et je dois aller où ici? Il n'y a pas un truc pour remonter? Oh, mais t'es sérieux? Oh, 8 minutes que la vidéo a commencé, hein. 8 minutes. Et comment? Et je vous ai encore rien proposé. Parfait, hein, pour quelqu'un qui veut faire des vidéos courtes. Et vous savez quoi? A plus, hein. Voilà. De toute façon, elle est juste ici au-dessus. Allez, cours, Forest. Ouais, pas comme dans l'épisode 2, hein. Commence pas à courir trop longtemps. Elle est lent. C'est ça, je t'ai amélioré ton endurance, c'était toujours aussi lent. Ça va être une course de dingue. Oh, ça va, on peut la faire de nuit. Heureusement. Bon, il pleut, il fait nuit. Soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Et c'est de la motocross, donc ça va, c'est quand même. La quad est quand même déjà. Mais. Oh, pourquoi j'ai un quad? Oh, jure, ils ont deux guignols avec un quad. Bon. Que voulez-vous? Bon, je vais me concentrer, hein, parce que c'est pas facile de le voir de nuit. Oh, mon ami. Oh, mauvais. Il m'a tiré dans sa chute. Je peux t'écraser. Tiens, alors. Elle a plus. Bon, la conduite du quad, elle est vraiment... J'aime pas, moi. Je vous le dis dans GTA V. Je vous l'avais déjà dit dans quelques vidéos. Mais je peux... Oh, je croyais... Purée. Vous avez même pas vu, cela. Oh là là, c'est mal parti. Très mal parti. Hey, ils font que des crashs ces deux-là, c'est du mauvais. Mais vous calmez, ouais. Hey, y a pas moyen que je prenne une motocross, moi. Sur le quad, c'est pénible. Par contre, la course est quand même pas mal, hein. Enfin, le circuit, je veux dire. C'est vraiment des petits chemins vraiment sympas. Vous mettre dans la course, quoi, comme dans la course de jet ski. On était en plein descente avec des mini cascades et tout.
ça vous met vraiment en situation, c'était vraiment pas mal, franchement. Je vous les conseille. De toute manière, des courses, on va toutes les finir hein, au fil et à mesure des vidéos. Donc voilà, je vais vous en proposer une aussi dans l'épisode 4. Parce que c'est vraiment bien à faire, hein, faut pas croire. Je suppose que dans les courses notées, qu'on aura quand même une course de bateau. Hein. Ce serait vraiment bien, parce que que du jet ski, c'est bon, après, c'est... Oh, vas-y. Ils sont où? Oh, ça, ils sont loin. Voilà. Ah bah, on commence déjà à passer cette vidéo, hein. J'ai quand même une victoire. Enfin, une victoire, ouais, une victoire. Hein. Donc voilà, c'est déjà ça. Falaise du Canyon. Et voilà. Le record du monde. 1 minute 5. D'accord. Ok, je m'en vais. Et bien voilà. Maintenant, on va aller se faire une petite partie de fléchette. Pour vous proposer ça, parce que c'est... Ah, je peux pas encore, ça se souvient encore. Je dois partir pour pouvoir afficher. Donc voilà, maintenant je peux le faire. Alors voilà, on va aller ici. C'est dans un café. Hein. Bon, ça dure pas longtemps, hein, ça fera croire. J'ai pas envie de prendre un quad. Il y a que ça, là, dans le tour. La tenue moto X a été ajoutée. Ah, j'ai une tenue de moto. Dans ma garde-robe. C'est bon à savoir ça. Ouais, j'ai repris Franklin un peu dans cet épisode. Pour l'améliorer, parce que rien à faire, c'est le personnage avec lequel j'ai le moins de compétences. Donc faut quand même que j'améliore ça. Et mine de rien, depuis la dernière fois, j'ai quand même amélioré. J'ai amélioré son tir, son endurance. Et sa conduite surtout. Et la conduite, c'est pas difficile. Hein. C'est sa compétence spéciale donc. N'empêche, j'aimerais bien faire ce tour d'avion, c'est vraiment bien. Donc ouais, je voulais vous proposer du tennis, c'est comme par hasard. Je ne peux pas vous en proposer. Du parachute, je peux toujours pas. J'en ai toujours pas fait. Et je comprends pas, je peux toujours pas en faire. Donc va falloir attendre pour tout ça. Pour un petit tour en sous-marin aussi. Enfin voilà, hein, que voulez-vous, de toute façon on n'est pas pressé. Ça prendra le nombre d'épisodes que ça prendra. On verra par la suite. Bon, on est bien d'accord pour... Enfin, vous êtes bien d'accord avec moi que quand je n'aurai plus d'activité à vous proposer, bah, les épisodes seront terminés. Ça c'est une logique, je ne vais pas commencer à vous proposer des activités que j'aurais créées moi-même, des activités débiles. Donc voilà. Bon, je vais pas appeler ça que c'est un mini let's play parce que ça a pas vraiment à voir avec un let's play. Mais hein. Bah, ça y ressemble quand même. Il y a un certain nombre d'épisodes. On peut prendre un verre? Non, on peut pas prendre un verre. Ok, santé. Hein. Donc on va aller là-bas. Il y a une vieille. Elle m'a déchiré la dernière fois. Alors. Lancer une fléchette sur l'un des secteurs numérotés de la cible pour passer de 301 à 0. Alors moi la dernière fois, comme un gros nul, vous voyez là elle me montre que la couronne extérieure double le nombre de points. Je suis pas un grand, hein, un professionnel du truc, de la fléchette. Et là ça triple, la petite barre rouge là. Et au milieu ça fait quoi? Ah ok, voilà. Donc, et moi je visais que le milieu comme un gros guignol. Au lieu de viser, je pouvais viser autre chose, hein, maintenant je visais que ça. Donc on va faire... ouais, une manche. Hein. Un 7, non, 2, 3, 7, allez, voilà. On est parti. Alors là, c'est moi. Je dois viser avec... donc vous pouvez le voir au-dessus à gauche, hein, et je dois appuyer avec X. Ah, ça commence bien. J'ai déjà bien joué comme un gros guet. Allez! Je vais viser ça. Oh, je jure combien. Oh, elle va me déchirer. J'ai pris 50 points. Regardez-moi ça, hein. Elle est déjà à 160, hein. Oh. Et essayez, hein, honnêtement, hein, toutes les activités que je vous présente, essayez-les aussi de votre côté, hein. C'est important. Ainsi, vous savez ce que j'endure en vidéo pour vous. Hein. Dans le mille? Oh, 2 dans le mille. Oh, là, c'était loin d'être dans le mille. Ouais, mais toi, vous voyez, elle est déjà 102, c'est un problème. Elle est ici, elle va faire combien, c'est quoi, celle-là?
Ouais, 32, allez, je dois faire quoi ici? Ouais, les gens, franchement, je m'améliore. Hein. Non, mais non! Pourquoi je dis ça? 19, jure! Allez! C'est l'occasion! Oh, jure! Vous avez compris? Je dois faire absolument un 19. Ben voilà alors. Quoi? Eh, je comprends rien à ce truc, à ce jeu. Je dois faire 19. Ouais, mais d'accord. C'est 19 ça? Ah, c'est 16 ça! Il est où le 19 là? Non, c'est 16 ça, ça c'est 19, voilà. Ben qu'est-ce que. Là alors? Vous avez fait un 19 et vous n'avez pas le double. Je comprends rien. Je ne comprends rien. Ah, ils vont au moins gagner une. Bah, c'est pas facile. Hein. Ça bouge à chaque fois au dernier moment. Ah, j'ai encore fait 250 en plus. Oh, ça va, c'est serré là. On va bien faire. Oh. On va bien s'adapter à mon niveau. 171. Attends, il manquait 19. Ouais, mais d'accord. Donc je vais le mettre dans le vert. Et j'ai mis dans le vert. Ça n'a pas été quand même. Faut m'expliquer ce qu'il faut, hein. Fallait que je fasse un double, en fait. Oh, mais fuck. Combien? Ouais, 107. Ouais. Je suis quand même premier. Mais bon, enfin, si je commence à faire comme tantôt. 139. Bah, c'est pas possible. Elle fait exprès, là. Elle joue bien depuis tantôt et. Attendez, je rêve ou mes points se sont pas comptabilisés là? C'est quoi le délire? C'est quoi ce délire? Pourquoi? Il manque. Ah, maintenant il les compte? Ah, vous avez compris quelque chose? Et honnêtement. Allez, ouais, je fais que des dans le mail et après je vais quand même perdre, ça va, on a compris. 216. Bon, c'est déjà un meilleur démarrage que les deux fois précédentes. Et allez, 198 maintenant. Il manquait plus que ça. Vous savez, quand je vais viser ça un peu au-dessus. Non, bah, chaque fois, hein, chaque fois. Elle vise ça, là. Hein. C'est ça qu'elle vise, hein. Elle vise ça la balle. Malin, va. Combien? Wow, 100, hein, mais t'es sérieux là. Je vous dis, y a même pas de niveau de, y a même pas de niveau de difficulté aux fléchettes. Pas comme au golf. Au golf, y a, hein, niveau de difficulté. Ah, ici, je sais pas, on aurait pu mettre noob, moyen, fort. Moi, j'aurais choisi big noob. Bon, ben, j'ai peur. C'est une très lourde défaite que je viens d'essuyer, les gens. J'ai eu bah, 3-7 dans ma face. Que voulez-vous? Ouh, c'est un serpent ça! Je vous présente Snake. Voilà. Pour les intimes. Donc maintenant, quelle heure est-il? C'est ça le plus important. Est-il 6h du matin? Et il est 1h49 du matin! C'est magnifique! Que voulez-vous de plus? Non, bah, de toute façon, le temps qu'on a jusque-là, hein, je pense que il sera au moins 4h du matin. Et donc, bah, logiquement, je pourrais vous proposer bah, une partie de golf. Hein. Donc, on va déjà aller jusque-là. C'est déjà le but. Voilà. Hop. Donc, quand même. Bon, je vais pas dire que c'est bête, parce que je vous dis au début de vidéo que c'est quand même logique que ça ferme, qu'on peut pas jouer de nuit. Mais bon. Je sais pas, on pourrait avoir une option pour accélérer le temps. Hein. Je veux pas de méchant, mais attendre jusqu'à 6h du matin maintenant. Bon, c'est. En plus, j'ai l'impression que le. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le jour passe plus vite que la nuit. Donc voilà. Allez, tire-toi, toi. Laisse-moi passer. Bon, il y a pas mal de conduite hein, dans ce. Dans cette vidéo. En même temps, ça, c'est un peu.
C'est un peu le problème hein, quand les activités sont fort espacées. Ça, je ne sais rien y faire, hein, désolé. Faites un petit coucou à la prison. Coucou la prison! Voilà, c'est fait. Je me suis fait passer pour un con à vos yeux. C'est fait. Non, j'avais envie de prendre un camion, mais là, on est vraiment sûr de pas arriver avant 18h. Après, je regardais un peu le ciel, il est vraiment bien fait. Vraiment joli. Parlons un peu de ce GTA alors, hein, en attendant, que voulez-vous? Parce qu'il faut quand même que je vous maintienne hein, sur ma vidéo. Et comment? Il y a un bug, hein, j'ai lu une news sur jeuxvideo.com qui a un bug avec quand on sauvegarde une voiture dans un garage et Rockstar, son nom aperçu, eh bien il était temps parce que combien de voitures je me suis pas fait arnaquer ainsi. Je prends tout premier exemple, ma Bugatti Veyron que j'avais eu au tout début du jeu, que j'avais volé, que je m'étais amélioré avec, j'avais claqué plein d'argent et je ne l'ai plus jamais revu. Il faut m'expliquer un peu le délire. Alors ils ont dit qu'ils vont faire un patch, hein, une mise à jour pour arranger tout ça, mais que ça n'allait pas sortir tout de suite. Alors ils nous ont expliqué une solution à faire pour passer outre à ça. Eh bien, bonne chance pour comprendre leur solution, parce qu'elle est vraiment pas facile à comprendre. Donc voilà, aussi pour parler des ventes. J'ai vu que le jeu s'est vendu à 16 millions d'exemplaires, hein, si j'ai pas de bêtises, en 5 jours. C'est 5 jours, je pense. Hein. C'est 5 jours. C'est vraiment pas mal. Hein. Bah bon, en même temps, j'ai envie de dire, il a le succès qu'il mérite. Hein. Alors aussi, les autres rumeurs que j'ai pu entendre, c'est que une version PC, PlayStation 4, et certainement Xbox One, mais bon, ça, j'en ai pas entendu, allait sortir parce que des gens ont réussi à rentrer dans le système d'un console, j'ai envie de dire. Et ils ont vu ça. Maintenant, ça a vérifié. Hein. Vous savez, c'est que des rumeurs. Mais bon, c'est un peu logique. Hein. Maintenant, une version PlayStation 4 et Xbox One. Ça, je n'en sais rien. Même version PC, j'ai envie de dire. Je suis pas joueur PC. Hein. Mais, allez, faut pas exagérer. C'est que si eux n'ont pas une version PC, c'est vraiment grave. Franchement, on connaît Rockstar. On sait bien qu'ils ont toujours sorti une version PC. Je vois pas pourquoi ici, ils ne sortiront pas une version PC. C'est vraiment débile. Et je viens de dire le mot PC au moins 50 fois à la minute. On est d'accord? Voilà, on est d'accord. Voilà, je pense que j'ai tout dit hein, autour de ce GTA. Enfin, tout ce que je savais, hein, je pense que oui, j'ai tout dit. Pour parler un peu du scénario, moi j'en suis... non, je vais pas vous parler de ça parce que ça va être du spoil. J'ai pas envie de vous parler de ça. Même pour vous dire, je prends mon temps pour l'émission. Parce que, bon, j'ai des activités à vous proposer. J'aime bien me balader aussi, faire moi-même des activités de mon côté. Mais bon, les missions sont vraiment super, le scénario est vraiment énorme. C'est du Rockstar pur. Hein. Je me répète encore, j'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo. Hein. Mais vraiment, c'est du Rockstar pur. Et puis voilà. Bon. Il est très loin d'être 6h du matin, je me doute. Eh ouais, voilà le gros guignol. Je suis en vidéo maintenant. Ça, le guignol, va. Alors, quelle heure est-il? Oh, il reste encore 2 heures à attendre. 2 heures à attendre. Qu'est-ce que je peux vous proposer en attendant? Vous savez quoi? Activité inédite. On va aller se faire un ciné. J'ai jamais fait de ma vie. Hein, jamais. On va voir à quoi ça ressemble. Si c'est nul, je coupe tout de suite. Hein, tout de suite. Parce que c'est vrai que si moi ça me fait chier, à vous aussi, ça doit sûrement vous faire chier. Hein. Non, on va aller voir ça ensemble. Hein. C'est une découverte aussi pour moi. Bah, tout comme la course de moto en somme. Alors. Oh, jure-le, c'est fermé aussi. Oh, mais t'es sérieux? En fait, hein. Ils veulent. En fait, de nuit, on sait rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous présente? Honnêtement. Hein, honnêtement. Vous savez quoi? On va aller m'acheter des vêtements. Ou alors, ça se peut que là aussi, ça va me faire une belle blague. Je m'y attends déjà au pire. Je suis déjà venu ici. Oh, je suis déjà venu ici. C'est pas amusant ici. Ils sont chers en plus. Je sais pas si vous remarquez un peu les prix dans les magasins, mais ils sont...
C'est hallucinant. Ah aussi, j'ai entendu dire, en parlant des prix, qu'ils allaient... Non, c'est vraiment laid, ça, franchement. Qu'ils allaient changer la valeur de l'argent dans GTA Online. Donc GTA Online, c'est le multijoueur hein, en ligne de GTA. Et ils ont dit qu'ils allaient changer la valeur de l'argent parce que ils disent que les millions partent vite dans GTA. Donc dans l'aventure solo. Bah c'est vraiment juste, hein, parce que ça part vite, hein, mine de rien. Je me suis acheté un costard, un chat comme ça. Soyons fous. À 4000. Ouais, soyons fous, ça va, ils sont pas chers, c'est ça qui est chouette avec eux ici. Oh, je vais prendre ça, là. 1 200 $ des chaussures, pourquoi pas? Y'a pas de bijoux? J'ai déjà galéré à trouver des lunettes, hein. Combien? Ah ouais, des bijoux aussi. Ah, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai coupé sa barbe. Hein. C'est plus un bûcheron. Voilà. Ah, il y a des cabines d'essayage, ouais, bien sûr. Et moi, je me suis changé en plein magasin. Paf, en même temps. Pourquoi être gêné? Bon, il fait froid dehors, on va mettre une veste au-dessus de notre costume. Donc, il y a une veste en cuir derrière, mais je peux pas la prendre. Non, on prend pas, alors c'est moche. Bon. Est-il 6 h? Oui, il est 5 h. Le temps qu'on aille, logiquement, ça devrait aller. Il était temps. Je vais prendre mon quad. Hein. J'ai pas envie de voler une voiture et qu'après j'ai la police comme par hasard en pleine vidéo. Voilà, adieu le cinéma. Tu ne m'auras pas servi. Tu aurais pu jouer ton rôle de roue de secours. Mais tu ne l'as pas fait. Ah, c'est ici le cours de. Ah non, ok, gros fail. Gros fail de ma part. Donc lui, il met son casque au moment où on arrive. Lui, c'est comme ça. La tenue, elle change quand on rentre dans le cours de tennis. Dans le cours de tennis, dans le cours de golf. Pourquoi j'ai dit cours? C'est pas comme ça. Bon, et combien de temps il reste? Mais ils sont sérieux là! Tantôt, il m'a fallu 1 heure pour venir du panneau d'Hollywood à ici. Hein? Et maintenant, il me faut. Et ça dure je sais pas combien de temps. J'ai acheté aussi un RPG. Vous pouvez voir les dégâts à 100%, c'est un peu logique. Par contre, là, j'ai mis un silencieux, qu'on peut voir les dégâts et la portée sont restreints. Ah ouais, aussi, j'aimerais bien vous proposer un petit truc exclusif. Hein. Mais bon, je vais pas vous le montrer, hein, bon. Parce que je ne saurais pas vous le montrer. J'ai tenté de vous le montrer, mais je n'ai pas su. Ça, c'est pour ceux qui auront tenu la vidéo jusqu'ici. Hein. Et encore désolé de traîner autant. Vous allez ici tout au-dessus. Donc, regardez bien. Hein. Tout au-dessus. Ici, il y a un genre de dessin. Hein. On va appeler ça un genre de dessin de montagne. Et ici, plus ou moins ici, là, vous allez aller, mais par cette rue, vous allez aller. Hein. Et puis vous allez sortir, vous allez jusque là. Il y aurait un rocher hein, qui va donner vers la mer. Vous allez dessus, puis vous retournez en arrière. Et puis vous vous retournez. Mais de loin, vous vous retournez, vous regardez avec une lunette de sniper. Et vous allez voir, il va apparaître un fantôme. C'est le fantôme de... Bon, il est marqué Jock. Joke en sang à terre. Donc vous allez voir ça. Vous me direz quoi dans les commentaires hein, pour ceux qui auront trouvé. Hein, parce que je ne sais plus vous le montrer malheureusement. Comme par hasard, je l'ai déjà vu une fois. Et j'ai l'impression que quand on retourne, ça ne va plus. Allez de nuit, de préférence. Hein, de nuit, parce que. Sinon, de jour, je suppose que ça ne va pas aller. Ça, c'est normal. Voilà, je suis comme ça. Je pète les pneus. Je me suis pris un crash hein, l'autre jour en contre une voiture. Hein, et son pneu, hein, il s'est complètement détaché. Mais complètement détaché, hein, véridique. Hein. Enfin! Bien voilà! 100 $ hein, pour jouer. Ceci dit, c'est pas trop marrant. Ça non plus, mais bon. Je vais pas mettre en difficile, hein, je vais commencer tout de suite. Et on est parti. Okay, let's go. Se faire un cours de golf. Alors, on peut pas rouler sur l'herbe. Je n'ai pas tenté, mais bon, oh, rien à foutre. On s'en fout. On est comme ça, nous. Hop là.
Alors ici, je vous explique un peu le système. Voilà, et avec L1, on peut guider, vous pouvez voir sur mon radar, je peux guider la longueur de la balle, enfin la force. Et c'est tout simple, on doit mettre le joystick gauche, donc le L3, vers le bas, et quand ça arrive au jaune, on tape. Si on arrive à taper dans le jaune, c'est un coup parfait. Et donc la balle, elle va exactement où on en a envie qu'elle aille. Donc ça c'est déjà un bon point. Par contre, ça c'est chiant, il faut courir. Bon, j'aurais pu prendre la voiture, mais bon, le temps que je prends la voiture, il démarre et tout. Pour gagner quelques secondes, je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà. Bon, le but, c'est de mettre la balle avec le moins de coups possible. Hein. Donc, il faut se mettre en mode Tiger Woods, hein. Il n'y a rien à faire. L'effet. Hein, on se met de l'effet, je sais même pas. À mon avis. Bon, il y a 10. Je me répète encore une fois, je sais bien, je suis comme ça. Il y a 10 trous à faire, hein. Donc il y a vraiment de quoi faire, mine de rien. Alors ici. Regardez, ici il va falloir bien. Oh, hein. Allez, sans pitié. Ah merde! J'aurais pu faire un coup parfait. Oh, ben. C'est pas si mal que ça, de toute façon. Voilà. Bon, par contre, je ne sais pas c'est où qu'on voit le nombre de coups qu'on a droit. Parce qu'à chaque fois, il me marque un mot bogey. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Bon, il est où le trou? Par contre, ça, je comprends pas trop le délire d'avoir fait ça parce que je vois plus de trou. Il est où le trou là? Trou est là, il me dit. Vous voyez le trou, vous? Oh, elle est là! Même pas vu. Ça, par contre, j'aurais pu le mettre en fluo, je sais pas, non? Allez. C'est bon, ça, c'est bon, ça. Oh, allez! Normalement, ouais, voilà, j'ai le bogey. Je sais pas c'est quoi, ça. Bogey. À chaque fois, il me marque ça, bogey. Méchant, va. Le prochain trou est juste ici. Bon, je suppose que si la balle va dans l'eau, on est directement perdu. Ça, je suppose. Pour les amateurs de golf, ils doivent se foutre de moi. Et hop là! Ça, c'était quand même un bon coup. Mais je sais pas si l'arbre peut nous ralentir. Si je tape. Dessus, on va voir. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, vous pouvez améliorer quand même vos compétences hein, de mine de rien, de d'endurance et de force aussi. J'ai vu, il me l'a dit que si on fait du sport, ben, ça améliore notre force. Oh! Oh! C'est mal joué de ma part. Mais c'est un peu trop précipité. Voilà, maintenant. Allez! Bon, ben, vous pouvez le voir, ça traverse l'arbre. C'est comme ça. Hop, 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 hop. Alors, je vais bien guider. Hein, mon but, c'est de. Imaginez, j'arrive à la mettre d'un coup. Oh, c'est tout près, ça. C'est bon, ça. C'est bon. Allez, hop. Ça, c'est bien, ça. Je joue quand même mieux que la première fois que j'avais essayé. J'avoue, c'était quand même catastrophique la première fois. Bon, en même temps, je savais pas jouer. Hein. Voilà. Et là, j'ai corbogué. À chaque fois, j'ai ça. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais vous proposer un dernier trou. Et puis ce sera terminé, hein, enfin, cette vidéo. Certains me diront que la vidéo aura duré longtemps. Désolé, hein, d'avance, hein, vraiment. C'est pas ce que je voulais vous proposer, mais bon. Rien ne se passe quand on en a envie, des fois, en vidéo.
Ah, c'est bête là. Je pense que je vais devoir me Stupid ass game. débrouiller tout seul pour mettre dans le trou. Enfin, je sais pas. On va voir ça. Allez, cours Forest. Voilà. Alors ici, ça promet quand même. J'aurais dans le radar obligé. Voilà, c'est bon. C'est bon, ça. Oh, le. Here we go. Bon, logiquement, ici, je vais la rentrer. Il est où le trou? Honnêtement, vous le voyez? Ah, elle est là. Bah, allez, c'est franchement. C'est quoi ce grillage jaune là, qui nous met à chaque fois? Coup parfait? Ouais, coup parfait, elle est pas dedans. C'est ça ton coup parfait? Eh bien voilà, sur ce dernier coup, moi je vous dis à la prochaine pour un épisode 4, il y a pas mal de choses à proposer encore, donc restez à l'affût de mes vidéos, moi je vous dis à la prochaine, ciao les gens!